Le royaume de l'hiver est ravagé par la guerre. La magie de mon peuple décline et les mortels grouillent sur ma terre natale. Je dois restaurer l'ordre, un mortel à la fois. Il y a un ordre dans toutes choses. De l'été à l'hiver, de la croissance au déclin. Il en était ainsi lorsque j'ai marché sur ces terres. Ce qui est arrivé pendant mon sommeil est un affront à la nature. Les faées se meurent tandis que les mortels leur livrent une guerre sans merci. Impossible. La cour d'hiver est dissoute. Si ces Tuatha ne respectent pas l'ordre naturel, alors je vais le rétablir. Pénétrer au cœur de Tineil pour admirer la force de l'hiver. Oh. Monsieur est dérangé. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc aller contempler la force de l'hiver. Oh, il y a des coffres par tous les chemins. Et par tous les chemins, il y a des coffres. Spouf. Ah mais je peux pas les faire avec Al. Oh. Je peux pas les finir les ocrins. Terrible. Je sais pas pourquoi. Il y avait pas de scène de finish le fait pour eux, visiblement. C'est en mode oh, Osef les ocrins. Hein? Qui ça intéresse les ocrins? Tu viens pris le coffre là-bas? Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça détruit. Il suffit de ce combat. J'imagine que le chemin qu'on a côté nord-ouest, c'est le chemin de retour. Des bluettes maintenant. J'espère que ça passe. Oups, je vais pas utiliser cette potion là. Ouf. Terrible. Ma potion, non. Tellement triste. Ça part tellement vite en plus cet effet. Mais... Nyon. Oups. Ah bon bah on va le faire à la main là. Je vais bien. Nyon. Je me dépêche de battre le boss. Mini boss. Le bourreau quoi. Avant que l'effet s'en aille. Ainsi vous voilà. Le fait que vous soyez arrivé indemne jusqu'ici ne parle pas supplémentaire de vous tuer. Mais j'attendrai peut-être un peu. Faut qu'on se batte. Je garde les plus forts aux portes de la mort et j'utilise leur énergie pour maintenir ce lieu, pour rétablir l'équilibre. La volonté du destin. Le monde a changé, mortel. On vous l'a déjà dit, j'en suis sûr, mais vous ne pouvez pas le sentir comme moi. Le grand hiver a été enfanté par mon espèce.
Nous pourrons peut-être un jour le changer, mais jamais le défaire. Le cycle a déjà commencé à se briser. J'espère seulement que viendra le temps de la guérison, et que lorsque je renaîtrai, il sera rétabli. Au revoir, mortel. Ouais, il s'est buté tout seul, quoi. Énorme. Très content. J'ai bien gagné mon XP. Hey, j'ai peut-être eu des trucs supplémentaires. Ah, il y a un truc là-bas. Dans son cadavre, hein, qui sait. Oh, tant pis pour la potion d'expérience. Tant pis pour elle. Hein. Elle est capable de se donner comme ça. Être à portée d'un bouton. Honteux. Ah, ici ça saute. Oh, ok, d'accord. Je pensais que ce serait dans le même sens, les deux sauts. Finalement, non. Donc je suis obligé de retourner. Dans la section aquatique de ce petit donjon d'attraction. Qu'il en soit ainsi. La petite musique. Des bois mystiques. Ok les mecs, le bourreau c'est fait. Il s'est calmé, il est retourné se coucher. Je peux le... Alors c'est fini. Le bourreau ne viendra plus harceler notre campement. Je déteste cet endroit. Qu'une âme ait pu penser que nous massacrer était une façon de rendre justice. Quant à ce qu'il a fait aux prisonniers. Mais c'est bien fini. Nous n'avons que peu à offrir ou à partager, mais acceptez ce que nous pouvons vous donner. Merci de tout cœur, étrangère. Bon, plaisir. Au revoir. Plaisir avant tout. Ensuite, nous avons œil vif hein, par ici. Pour que notre ami éclaireur puisse retourner voir son patron et se faire tirer les bretelles. Remonter les bretelles. Bonjour, Crapule Bolgan. Comment allez-vous en cette délicieuse journée? Oh, il aime pas le feu. Oh la vache. Ça lui a absolument pas plu. Ses pieds, cependant. Ouf. Délectable. Il y avait des chakrams dans ce que je viens de choper. On fait please. Bonjour les amis. Il est en feu. Il court. Le feu aux fesses. Ok, ça ce sera pour le retour. On commence à connaître. Hein. Très temps. Il serait temps qu'on commence à connaître. Mais je peux les doubler. Mille d'expérience. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Foyer des ennemis.
une zone dans la zone. Comment ça? Oh, il y a même une pierre dedans et tout. J'ai découvert les cimes du pouvoir magique. J'obtenais tout ce que je désirais, mais je n'arrivais pas à retrouver cette chose. Et inévitablement, il y avait toujours quelqu'un de mal intentionné pour me rappeler qu'il existait quelque part quelque chose d'aussi beau et parfait que cet esprit divin. Les gens vous font du mal. Ils tentent de vous utiliser, mais cette chose était différente. Oui, je pouvais lui faire confiance, et elle me protégeait de la méchanceté des autres. Oula. Genre, sa méchanceté à lui. Je suis protégé, là. Il est tout seul. Petit fait là. J'ai voulu lui dasher dans la gueule. Ça n'a pas marché. Sacré petit père. C'est pas du tout par là. Hein? On me demande de retourner en arrière. Puis œil vif. Il est pas là, œil vif. Oups. Visiblement, il est pas là, œil vif. J'avançais sans me poser de questions, j'avoue. Une porte, j'y suis allé. Du coup, là, c'est une quête qui va me demander de venir ici. Ça pour rien, pour potentiellement. Je cours. Je rush. Faut essayer d'en avoir le cœur net. Oulala. Peut-être que c'est un endroit où l'histoire principale va nous demander d'aller. Du coup, je suis en train de faire ce chemin pour rien. C'est possible. Il y a des gens en tout cas, apparemment. Le tas de givre blanc. Ça ramène au... Ah oui. Oui, en effet, c'est... En effet, c'est pour la quête principale, ça, je crois. Bon, bah désolé, mec, on y retourne. Deuxième essai. Cette fois, on va y arriver. Il était où, Fia? Ah, il était dans la petite portion où j'avais pas été. Ouais, allez, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est embarqué, comme ça. Les endroits ont des connexions, qu'est-ce que je vous dise, moi. Je les utilise, ces connexions. Salut, Evif. Bon, j'ai pas eu l'œil vif, en fait. Bonjour, pardon, excusez-moi.
Merveilleux. Bon bah, Ivif n'est plus. Un commentaire sur votre ressenti face à ce changement de situation, monsieur l'éclaireur. Allez-vous retourner à votre poste? Allez-vous accepter les réprimandes de votre patron? Hein? Ivif est donc morte. Bravo, guerrier. Prenez cet or pour votre peine. Je ferai mieux de rejoindre le capitaine Dreyfan. Je dois lui faire mon rapport. Oh oui. Adieu. Oh, il a hâte de le recevoir, ton rapport, mon gars. Très bien. Kate. Pour commencer le... La quête de faction. Inventaire, on est à 62, ça va. Très gros inventaire maintenant. Vous voici donc. Oui, je parle à Norb. Je ne sais pas si vous êtes ici pour venir en aide à la maison ou pour châtier les Tuatha, mais vous êtes là. Et c'est tout ce qui compte. Laissez-moi dissiper votre confusion. Je suis Bissarané, le roi de la maison des chagrins. Lors de vos épreuves, je vous observerai et communiquerai avec vous à travers cet objet. Oui, mais de quoi s'agit-il ? Mais il s'agit de vous, évidemment. Vous êtes la seule mortelle à qui nous avons donné une chance de rejoindre la maison. Je croyais qu'on parlait de l'objet. Mais je ne pensais pas que ce privilège vous est accordé par honneur ou respect pour vous. Ce qui me pousse à vous faire cette proposition, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, la nécessité. À travers le cristal que vous voyez devant vous, il n'a rien de magique. Il sert juste à recevoir ma propre magie. J'observerai toutes vos actions, j'entendrai chacune de vos paroles. Ce que vous faites ne m'importe guère. Ce que j'espère découvrir, c'est qui vous êtes et comment vous pourriez être utile à la maison des chagrins. J'ai verrouillé la porte derrière vous. Le seul moyen de sortir de ces couloirs est d'aller droit devant. Je ne puis vous en dire plus, sinon que je vous observerai. Super. Des bocards. Ah bah, c'était les bocards. Il n'est plus. Et maintenant, par là. Oula. Cette bête va me tuer si vous ne m'aidez pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? Un monstre erre dans ces couloirs, mortel. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? D'autrefois paisible, sereine. C'est mon terrain d'entraînement. Tous ceux qui les traversent risquent leur vie, même les faées de l'hiver. Mon peuple a vécu en paix pendant des décennies, des siècles même. Mais nous sommes à présent enlisés dans la guerre et la corruption, et nous sommes impuissants. Où est le monstre? Je ne sais pas. Le charnier, il a été profané. Nous n'avions jamais eu à craindre ce type d'assaut jusqu'à maintenant. Attendez, vous avez entendu? Il est ici. Adieu. Bonjour. Ok, nice. Mmh.
Excellent.